Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis médiatrice culturelle. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. C'est le plus ancien musée de la ville. Il abrite une collection de peintures et de sculptures datant du 15e au 20e siècle. Certaines œuvres ont plus de 400 ans. J'ai choisi de vous faire découvrir ce musée à travers quatre œuvres importantes. Elles illustrent la variété des genres et des techniques utilisées par les artistes. Vous êtes prêts? Suivez-moi! Marie de Médicis, de Anton van Dyck. Mais qui est cette dame si sérieuse et si triste? Tu ne la trouves pas triste? Regarde son visage, son air malheureux. Elle semble en deuil avec sa grande robe noire. Avant de savoir pourquoi elle est triste, nous allons essayer de découvrir qui elle est. Cherche un indice majeur dans ce tableau permettant de deviner. Le chien? Non. Son col? Non plus. Je pense que tu as vu de quoi je parle. Une couronne. Une reine alors. Bien joué. Sans doute une reine. Mais alors, pourquoi ne pas porter la couronne sur la tête? C'est en fait une reine déchue. Une ancienne reine, n'ayant plus de pouvoir. Cette ancienne reine est Marie de Médicis. Elle est la femme d'Henri IV et la mère de Louis XIII, ce qui fait d'elle la grand-mère de Louis XIV, le roi soleil. Son mari a été assassiné et son fils n'a à ce moment-là que 8 ans. Alors, c'est elle qui a eu le pouvoir le temps que son fils, Louis XIII, atteigne l'âge adulte. Car en France, seuls les hommes avaient le droit de devenir roi. Elle n'a pas de chance, Marie. Son fils, une fois au pouvoir, l'a exilée, c'est-à-dire qu'elle a été contrainte de quitter la France. Eh oui, ce beau paysage en arrière-plan, ce n'est pas Bordeaux, ni la Flèche Saint-Michel. C'est Anvers, dans les Flandres, la future Belgique, reconnaissable à sa haute cathédrale. Louis XIII, suite à son départ, aurait dit: je suis plus attachée à mon état qu'à ma mère. Marie de Médicis, alors en exil, passe voir M. Van Dyck dans son atelier et commande ce grand portrait en pied. Portrait en pied? Portrait jusqu'au pied, à la différence d'un buste. Celui-ci, avec beaucoup de mise en scène, cherche à nous mettre en position d'infériorité. Marie de Médicis nous surplombe. Et c'est quand même une reine. Ce portrait à message politique, à travers les symboles présents, raconte ce qui s'est passé. La couronne perdue, sa robe noire de deuil, elle a perdu son mari et le pouvoir. Maintenant, observe la délicatesse des fleurs dans ses mains. C'est un symbole d'amour, c'est aussi le nombre de ses enfants. Sais-tu ce qu'est un symbole ? Un symbole est un objet qui représente une idée. Je te donne un exemple. L'amour est symbolisé par un cœur rouge. Le petit chien est un symbole de fidélité, le chien étant le plus fidèle des animaux. Ce tableau pourrait donc être vu comme un témoignage de fidélité et d'amour envers son fils Louis XIII. Mais celui-ci, très fâché, n'a jamais fait revenir sa mère auprès de lui. Vue d'une partie du port et des quais de Bordeaux, de Pierre Lacour. Quel beau tableau! Regarde bien cette ville, ce port, ils ne te disent pas quelque chose? Observe sur la droite le fleuve qui forme une courbe.
la couleur marron de l'eau, les bâtiments en pierre blanche le long de la berge. Et oui, c'est le port de Bordeaux. Bien sûr, Bordeaux ne ressemble plus à ça aujourd'hui. La peinture a plus de 200 ans et la ville a beaucoup changé. Peux-tu citer ce qui a changé ? Les bateaux, les moyens de transport, les tenues des habitants. Il n'y a pas encore le tramway et il manque aussi le skatepark des Chartrons pour les connaisseurs. Ce tableau a été peint par Pierre Lacour, un Bordelais. Il peint sa ville. Il veut représenter toute l'animation du port. Regarde les bateaux sur la Garonne. Il y en a tellement. Bordeaux a été un des plus grands ports du monde. Des bateaux du monde entier venaient faire du commerce, acheter ou vendre. On ne peut pas distinguer toutes les nationalités. Ce drapeau, par exemple, est celui de la Russie. Celui-là, des Amériques. Les voiliers restent au centre du fleuve, là où il est le plus profond. De plus petits bateaux à fond plat, des gabarres, servent à décharger les marchandises vers la berge. Quelles marchandises peux-tu observer ? Regarde les trois gabarres accostés le long de la berge. Dans celle du fond, des hommes déchargent des barriques, probablement remplies de vin. Bordeaux est célèbre depuis très longtemps pour son vin. Dans celle du milieu, des pierres de taille sont descendues. Enfin, dans celle au premier plan, des planches de bois sont déchargées. Tous ces matériaux serviront à construire de nouveaux bâtiments, comme celui à gauche. Comment ces marchandises sont-elles transportées ensuite ? Pas de voiture ni de camion il y a 200 ans. Alors ? Tu as sans doute vu des animaux au travail, les chevaux en particulier, qui tirent les charrettes. Ou les bœufs, qui traînent des poutres. Les chevaux étaient également un moyen de transport très utilisé, par exemple en calèche. Mais tous les personnages de ce tableau ne travaillent pas. Certains se promènent et regardent ceux qui travaillent derrière la barrière. Dans cette foule, le peintre a voulu représenter toutes les catégories sociales. Du plus pauvre, ici un mendiant, jusqu'au plus riche, que l'on reconnaît par leur habit de belle qualité. Parmi ces personnages aisés se cache le peintre. Jouons à « Où est Charlie ?» Pierre Lacour porte un pantalon bleu, une veste marron et un chapeau haut de forme noire. Ça y est, tu l'as vu ? Oui, c'est celui qui est en train de dessiner sur un petit carnet, accompagné d'une femme en robe blanche, sa fille Madeleine. Pour peindre un tableau avec autant de détails, Pierre Lacour a passé des heures dans ce port à observer, observer et encore observer. Il a dessiné des centaines de croquis pour capter toutes les attitudes des personnages et toutes les activités du port. Ce grand tableau a ensuite été peint en atelier. Ce tableau n'est pas un portrait, comme celui de Marie de Médicis. À ton avis, comment appelle-t-on ce genre de peinture ? C'est un paysage urbain, c'est-à-dire un paysage dont le sujet est la ville. La première moitié du tableau, au premier plan, est consacrée au port de Bordeaux. L'autre moitié, à l'arrière-plan, est consacrée au ciel. Regarde ces couleurs. Elles indiquent le moment de la journée. Tu as deviné ? Oui, c'est le soir. C'est la promenade de fin d'après-midi pour certains et la fin de journée de travail pour d'autres.
Nature morte à la vielle de Roland de la Porte. Te voici devant une nature morte. Une nature morte ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une peinture qui représente des objets, des fruits ou des légumes. Ce sont des objets inanimés. As-tu bien observé ? Faisons la liste des objets présents. Tu peux voir un livre au premier plan. C'est une partition de musique. Un instrument de musique sur la droite. C'est une vielle à roues. Cela ressemble un peu à un violon. C'est un instrument de musique avec une roue à l'intérieur et une poignée au bout du manche. En tournant la poignée, on fait tourner la roue qui frotte les cordes. Au-dessus, un bocal avec des pêches. À gauche, une corbeille avec des grappes de raisins et des poires. Enfin, sur la table à gauche, un gobelet avec des dés. Chaque objet est un symbole qui évoque les plaisirs de la vie. Tu te souviens, un symbole ? C'est un objet qui représente une idée. Dans cette peinture, les poires et les raisins symbolisent les repas et toutes les bonnes choses que l'on peut manger. Les dés, eux, symbolisent le jeu. La partition de musique symbolise la musique. Pour peindre une nature morte, il faut bien observer les objets. Cela prend du temps. Le peintre va d'abord faire des croquis, c'est-à-dire des dessins pour préparer son tableau. L'objectif est de représenter en peinture les objets comme s'ils étaient réellement posés sur une table devant toi. Il faut que cela soit le plus réaliste possible. D'ailleurs, regarde bien ces raisins. Ils paraissent vrais, on a envie de les manger. La peau est transparente, on voit le pépin à l'intérieur. Tu vois cette petite touche blanche de peinture ? Le peintre en a posé une sur presque chaque grain de raisin. C'est le reflet de la lumière. La lumière vient de la gauche du tableau, elle éclaire les objets posés sur la table et laisse l'arrière-plan dans le noir. Les cinq sens sont représentés aussi dans ce tableau. Peux-tu relier un objet à chaque sens ? Allez, à toi de jouer. Cybèle de Auguste Rodin. Te voici devant une sculpture. Pour bien l'observer, il faut regarder tous les côtés. Faisons le tour ensemble. Cette sculpture est entièrement blanche. Mais quelle est cette matière ? De l'argile ? Non, l'argile est plutôt orange ou marron. De la pierre alors ? Non plus. La pierre est plus dure, plus lisse et brillante. C'est en fait du plâtre. Le plâtre est un mélange de poudre et d'eau, un peu comme la pâte à sel. C'est une matière molle, facile à modeler avec les mains. C'est beaucoup plus fragile que la pierre. On ne peut pas laisser une statue en plâtre dehors, à la différence des statues en pierre que tu peux croiser dans les parcs ou sur les places. Les sculpteurs utilisent souvent le plâtre pour s'entraîner. Eh oui, la sculpture que tu regardes n'est pas une œuvre terminée. C'est une étape intermédiaire, une sorte de brouillon dans le travail de l'artiste. D'ailleurs, si on l'observe de près, on peut remarquer les marques des outils utilisés par l'artiste. Regarde ici, ces traces, on dirait l'empreinte des doigts du sculpteur. Cette sculpture en plâtre a servi à faire une autre œuvre définitive, en bronze, c'est-à-dire en métal. Il y a peut-être quelque chose qui te semble étrange dans cette œuvre. D'accord, c'est un travail intermédiaire, mais pourquoi n'a-t-elle pas de tête ? Le sculpteur, Auguste Rodin, s'intéresse davantage au corps qu'au visage. S'il n'y a pas de tête, alors on regarde avec plus d'attention le corps. On regarde les muscles, on regarde la pose. D'ailleurs, Rodin a fait prendre à son modèle une pose difficile. Les bras et les jambes sont pliés.
Oups, on dirait qu'elle glisse de son support. C'est vraiment une drôle de pose. Pour mieux t'en rendre compte, tu peux essayer de l'imiter. À ton avis, qui est cette personne ? Ce n'est pas évident à voir, mais elle représente une déesse de la mythologie gréco-romaine. Pour rappel, la mythologie est un ensemble de mythes, des récits qui racontent les aventures de dieux, de déesses, de héros. Tu en connais sûrement quelques-uns. Zeus, Poséidon, Aphrodite. Là, sans tête, il est difficile de deviner qui est cette femme. Le sculpteur n'a pas non plus intégré d'attributs. Un attribut est un élément permettant d'identifier un dieu, comme par exemple un objet ou un animal. Le seul indice est son nom précisé par l'artiste. Elle s'appelle Cybèle. C'est la déesse de la fertilité et de la nature sauvage. Mais Rodin ne voulait pas faire d'histoire mythologique. Il voulait avant tout faire un travail sur le corps.